Salut les gamers, salut à tous. On se retrouve pour une vidéo All-Star Game. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, cette fois-ci, ça sera le concours de dunk All-Star. Dans la vidéo précédente, j'expliquais comment donc j'avais réussi à avoir l'All-Star Game dans NBA 2K15. C'est assez spécial, donc allez voir cette vidéo, vous saurez tout. Maintenant, j'espère que ce côté All-Star sera en DLC. Alors, malheureusement, peut-être payant, mais sera en DLC, qu'on puisse y accéder quand on le souhaite, parce que là, sinon, il faut se retrouver dans un système de ligue, etc. Je pense qu'en carrière, c'est pareil. Alors, le système, pour revenir au dunk. Alors, le mode de gameplay a changé. Vous choisissez de la même façon vos donc par famille hein, de dunk, etc. Donc à deux mains, une main, 360, etc. Mais le mode a changé, vous voyez, il y a une grande barre qui se met en bas. Alors je dirais que ça a été simplifié. Alors si vous vous rappelez, l'année dernière, malheureusement, il n'y avait pas le concours de dunk dans le jeu. Je sais pas pourquoi des fois ils zappent le concours de dunk, alors ça fait vraiment partie de la NBA. Des fois ils zappent pas. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils font ça. Mais en tout cas, sachez que cette barre qui est en bas a l'air de simplifier la faisabilité des matchs. Voilà. À savoir que avant c'est un petit peu comme à la Guitar Hero, vous aviez en haut à droite une sorte de petit des couleurs qui représentaient les touches de la manette et que vous deviez cliquer dans le cliquer dans le bon timing, on va dire, voilà, dans un courant descendant. Enfin, je sais pas comment vous dire autrement, mais je suis sûr que ceux qui connaissent Guitar Hero savent de quoi je parle. Voilà. Et là ils ont mis, voilà, donc là vous choisissez votre famille de style, le style de dunk, le dunk en lui-même. Vous avez des niveaux de difficulté par les couleurs qu'il y a sur le côté. Et là vous avez la barre qui s'affiche en bas. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? J'ai l'impression que vous voyez mieux le smash se faire, parce que bon, voilà, mais je sais pas, moi personnellement ça me fait un peu bizarre. C'est simplifié. Je pense qu'ils ont pas juste, ils veulent pas nous casser la tête avec ça, et quelque part je peux le comprendre, parce que le concours de dunk, on a envie de faire des dunks, c'est du spectacle, on a pas envie de se prendre la tête à réussir à faire un dunk très difficile, donc je pense qu'ils ont simplifié avec le carré, vous voyez, donc il n'y a que le carré à faire. J'en ai testé plusieurs, j'ai pas vu autre chose que le carré, peut-être qu'il y en a d'autres, j'ai pas vu. C'est toujours carré une fois, et carré dans le timing qui précise, qui va s'afficher juste après. Alors peut-être que les très très difficiles, il y aura d'autres touches. Pour l'instant, j'ai vu que le carré. Et toute la vidéo que j'ai faite là, c'est que le carré. À savoir qu'il y a 4 joueurs. J'en ai pris 2, je crois. Voilà. Et les deux autres, c'est l'ordinateur. Parce que je voulais quand même l'ordinateur vous montrer quelques dunks magnifiques que moi, je ne sais pas faire du tout. Voilà. Mais vous allez voir que petit à petit, ça va aller mieux pour moi. Voilà. Je ne m'entendais pas plus longtemps avec ce concours, avec ma voix dans ce concours de dunks. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir comme ça qui va gagner ce concours. En tout cas, c'est très beau les ralentis, je vous les ai laissés à chaque fois, parce que franchement, j'avoue, il faut reconnaître que le jeu pour ça il est extraordinaire. C'est très très réaliste, c'est très très beau, voilà, rien à dire pour cela. Mes dunks à moi ont été assez faibles, même si à force je réussis à en faire quelques-uns, il faudrait que je me bosse un petit peu. Mais comme je vous l'ai expliqué, que vous verrez dans la vidéo précédente, l'accès à ce concours de dunk, l'accès à ce concours à 3 points est assez compliqué. Ce qui veut dire que bon, je sais pas si à chaque fois je vais me prendre la tête pour recommencer, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je vous dis en tout cas à très bientôt, passez un bon moment avec cette vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye, salut. Okay, he was second up. Now his second dunk of the night. What has he got going on here, Clark? Nice stupid elevation. That was my first thought. Yeah, he way up top. Yeah, actually put him in his right while he was airborne. Yeah. So tucked his right on his thighs and then 360 after that. I am just amazing how high these guys are. Yeah, they really can put it. That is phenomenal. And here we go with Andre Drummond. And he...
again. Check here, this Clark. Out. Check this out. He elevated, but nothing happened afterward. Yeah, lost it on the transfer. Yeah, just kind of airballed this one, Kevin. It's good. Like the ball came out of finishing our second cycle through the dunker. So far, Kevin, one of them will be the champ, most likely. Yeah. So it's Terrence Ross, ready to go. Back to the top of the... What's got going on here, Clark? There's no alley-oop. You got to generate your own bounce without that ball as a target. I think those are even more difficult. Yeah, that's a great point. Put on by this year's champion, Shabazz Muhammad. And the dunk contest is always better. But this year was even crazier than we used to. Yeah, there was really a little something extra in the air this year, Clark. These players were in rare form. And it's been a joy to be here to witness some incredible dunks, incredible athleticism, and bringing it to you live here on 2K Sports. For Clark Kellogg and Steve Kerr.